Salut tout le monde, salut salut. Fait que on fait une découverte aujourd'hui, on essaye F1 2022, ben F1 2022 pour l'année 2022. Je suis pas un gros fan de F1, honnêtement. J'aime bien les jeux d'auto. Un que j'ai joué le moins, c'est bien F1. J'ai pas joué beaucoup, mais c'est un excellent jeu. J'ai joué une couple de fois, j'ai fait quelques fois des découvertes, comme qu'on va faire ce soir. Est-ce qu'on va aller approfondir le jeu? Je ne sais pas. Il s'améliore tout le temps chaque année, surtout au point de vue histoire. Fait qu'on va aller voir. Ça paraît qu'ils disent à chaque année que l'histoire est toujours améliorée. Et une grosse nouveauté de cette année qui est en VR, franchement, j'ai pas encore installé mon kit de VR. C'est sûr, ça serait un jeu à essayer en VR. Mais c'est dur en live, le VR, par exemple. Ça, c'est quelque chose. Fait que, ben, tiens. Tiens, on va aller voir tout de suite. Hop, la page ici, hein, du jeu qui sort le 1er juillet. On est le 30 juin. On a l'accès anticipé. Je l'ai pris avec Origin. Je ne voulais pas acheter le jeu en payant un abonnement d'un mois à Origin Pro, si je me trompe bien. Si je me trompe pas, je veux dire. On a le droit d'avoir l'accès anticipé sur le jeu et pouvoir essayer le jeu comme qu'on veut. Fait que j'ai essayé ça. Fait que j'ai hâte d'essayer. On va le voir. On va voir si c'est le fun ou pas. C'est ça qu'on on va aller voir. Tiens, tout de suite. Hein? Voilà. Bon. Fait que là, j'ai parti un peu le jeu parce que ça part toujours un petit peu trop fort. Puis il a fallu que je choisisse un auto. Paramètres graphiques, on est. Lui-même en 4K, en tout cas, là. Par une vidéo, j'ai suivi les settings qu'une vidéo m'a conseillé. Bien. Fait que, les aides, j'ai pris conducteur normal, attends, maîtrise du volant, amateur. Elle est la direction désactivée, assistance en freinage, inférieur, anti-patinage. Complet. Intermédiaire. Désactivé. On va checker ça pareil. Complet. Uniquement dans les virages. Désactivé. Bon, pour commencer, on va mettre uniquement dans les virages. Ouais, en 3D, boîte de vitesse. Rapport suggéré. Avec boîte manuelle, par rapport aux uns, vous devez changer manuellement les vitesses, mais le jeu vous conseillera sur le rapport à utiliser. Ah! Automatique ou boîte de boîte manuelle avec embrayage. Ouh. Aussi. Je sais pas si ça il va avoir pas mal de vitesses. On va l'essayer pareil. Malgré qu'un jeu. On va l'essayer de même. Ouais, ça a l'air d'être pas pire, ça. Comme setting. Ils ont bien seté, ouais. Danse inférieure. Assistance au freinage, on va mettre ça off. Aide à la direction désactivée. Passe intermédiaire. Tiens, ça a l'air pas pire. Voilà, attendez, voir. Ok, l'audio, ça a l'air bien. Ça n'a pas si pire. Graphique aussi. Oh, bon, on va y aller de même, on va s'ajuster. Oh! La série 1 disponible maintenant. Essayez de débloquer. Oh. Oh non, non, j'ai fait aller. Bon. Oh!
exceptionnel. Il y a des défis. Oh, défis standards. Je pense qu'on va commencer pour commencer l'histoire. Boutique. J'ai-tu vu des pitcoins? À la place des bitcoins, c'est des pitcoins. Oh, j'ai 18 000. Bon, ben là, acheter des meubles, là. On n'est pas un jeu de meubles ici. On n'est pas à décor ta vie. Hein? On est un jeu d'auto quand même. Ah, une calotte. Ah, non, mais. C'est grâce à ma calotte que j'ai gagné la course. Bon. Vie de F1. Oh! Carrière solo, carrière à deux pilotes. Ah, oh, ouais! Puis débutez votre carrière avec votre ami à côté. Ouais, d'abord dans la même écurie, et dans des écuries adverses gérées. Ah, oh, ouais, c'est bien ça! Pour éviter vos contrats et bien d'autres aspects de ce sport. Pour vous faire embarquer dans le titre de champion des pilotes. Ah, oh, ouais. À deux pilotes, hein, c'est bien, ça. C'est ici le solo. Créer votre propre week-end de course. Contre la montre. Et tour rapide Pirelli. Oh. Multijoueur. Partie amicale. Épreuve hebdomadaire. Écran partagé, on peut jouer en écran partagé. C'est bien ça, c'est bien ça. Moi, j'aime ça quand ils nous donnent beaucoup de choix. Courrier, hein? On va lire notre courrier. Godmaster, mise à jour des stats des pilotes. Bon, ben, bravo. Bienvenue dans votre boîte à mal. Ben, merci. Toujours le fun de rentrer dans sa boîte à mal. Tiens. Bon. Ici. Ok. On les a lus. Podium, tout ça. Bon, on va aller. Attends, on va commencer par la carrière. Pas une carrière solo. Fait que commencer une carrière pilote ou mon écurie. Prenez part au championnat de Formule 1, soit en pilotant pour une écurie officielle, soit pour votre propre écurie à partir de la conquête du titre de championnat du monde des constructeurs. Bon. Ouais, on y va. En tant que pilote et propriétaire. Ou en tant que pilote. En tant que pilote et propriétaire de votre propre écurie, conservez et dirigez votre équipe pour remporter le titre. Signez des contrats avec des écuries officielles. Oh, je sais pas. Honnêtement. Activer le mode carrière pro. C'est quoi ça? Non, on va faire carrière pilote. Sérieux, mon écurie? En étant aussi propriétaire de votre propre écurie. Bon, pour découvrir, on va y aller par le pilote. Ah! Ça, on a le choix. Passez directement en F1. Vous passez au championnat. Vous passez le championnat de F2 et commencez immédiatement à la F1. Ou participez à la partie ou à l'ensemble des saisons de F2 avant de passer à F1. Bon, moi je pense que vu que je ne suis pas trop un amateur de F1, je pense que je serais peut-être mieux de faire le F2. La saison F1 représente le championnat qui contient les équipes et les pilotes qui ont réellement participé. Oh, ouais. Ok, on essaye ça. Utiliser le calendrier. Ça va être long. Là, on est-tu obligé de faire ça? Attends, si on fait... Accueil. Nouvelle carrière. Ah, c'est ça. Ça revient à la même affaire. Allez, on prend ça. Oh, c'est directement... Non. Commencer en V2. Ok, en tout, il y a 7 courses dans la saison. Je pensais qu'il n'avait pas mal plus que ça.
Ah, ben là, c'est les 7 courses, on va faire les 7 courses. Ouais. Allez. Les paramètres recommandés. C'est parti. Allez, on va aller créer notre pilote. Hein? Souhaiter une expérience de course authentique et de faire face aux mêmes défis que les vrais pilotes de la F1. Dans la carrière pilote, vous deviez l'un des pilotes de... Non. Ah! Signer des contrats. En tant que pilote, vous devrez travailler dur pour impressionner les équipes. Si vous voulez, signer un contrat avec les écuries de haut du plateau et avoir plus de chances de remporter le championnat des pilotes. Pour commencer, crée ton pilote. OK. Et notre pilote. Oh, lui est content, hein? Il a l'air sûr de lui. Ouais, bien un gars qui a l'air sûr de lui. Quand même pas mal de choix, mais pas tous beaux, hein? Tiens-toi, celle-là. 23 courses, une saison. Oh! Oh, merci. Merci. Oh. On va essayer celle-là. Peut-être long un peu, hein? Pays, région. Du Canada. Non. Marqué. Ah. OK. Attendez deux secondes. Chef. Hein, voilà. Accepté. Non, audio. Salut, Baddin. Salut. T'as regardé streamer cette semaine sur Icarus. Domino. Eh ben, c'est tout qu'il y a comme Doom. Il n'y a pas plus de Doom. Domino. Ouais. Je sais pas pantoute quoi mettre là. Ouais, ben là. Le capitaine. Le prodige. Oh, le professeur. Le scientifique, le tigre, le blanc, le bleu, le bon, le brun. Le capitaine. Dupont, c'est mieux. Ah, tabarnouche, je sais pas quoi choisir. Ah, le prodige. Ah, le meilleur. Ah, ça. Tu sais, avec le nom de même, c'est sûr que tu peux pas être le plus poche. Avec un nom de même, ouais. Vois-tu avec le meilleur? Ah, ça, là. Le grand, le maître. Oh, le maître. Oh. Putain, un Wydon. Le maître. Ouais.
Il y aurait ça. Oh, je suis déçu. Mon nom est pas connu pantoute. Décevant. Domino. Domino? Non. Why? Bon, le maître. On va... Hein? Le maître. Le numéro. 69. Hein? Parfait, ça. Essayez ça. Concentre-toi maintenant sur l'apparence de ton pilote. En apparence, oh mon dieu. Oh, un qui gagne une course. Youhou! Wow! Tu peux être trop heureux. Oh, oh! Il saute. Non, moi j'aime. Wouhou! Hein? Ben mieux ça. Ça. Poste personnel. Oh! Comme ça. Les bras croisés. Ah ouais. Radio de la victoire. Wouh! Yeah! Merci! J'arrive pas à y croire! Bien! C'est très bien ça! On l'a fait! On l'a fait! Yeah! Wouh! Yeah! Celle-là. Hein? Voilà. Bon. Confirmé. Hey, Warwin! Hey! Salut! Hey, le son, il était pas fort. Salut, Warwin! Ça va bien? Bon. Choix de l'écurie. Oh! Hey, je connais pas pantoute, moi, les écuries. Directeur, propriétaire, numéro du châssis. MP Motorsport. On va essayer ça. Hey, merci pour le resub. Merci, merci. 17 mois. Tabarnouche. Ça se passe vite, hein? Attends. Merci, Warwin. Les vacances arrivent, oui. Maudit qu'on a hâte. Ben là, on a un beau petit week-end. Ça, c'est le fun. Ça commence bien. Après ça, une autre petite 3 semaines de travail. Puis après ça, moi aussi. Prends les 2 semaines de la construction. Ouais, motosport. Hein. Oh. L'académie. Attends. Ah, ok, c'est tout pareil. Oh! Ferrari? Oh, ouais, donc. Oui, parti. Oh, ouais, donc. Commencer super. Une carrière. C'est tout pour le moment. Tu peux faire marche arrière et modifier tes choix si tu en as envie. Nous repasserons ici avant le début de chaque saison. Si tu es prêt à passer à la suite, appuie sur « Confirmer » pour te rendre au QG de l'écurie où ton histoire en Formule 1 va commencer. Fais un peu d'over avant les vacances et là, je tombe en vacances jeudi prochain. Oh, chanceux, chanceux.
Refait 10 ans. En plus, quand tu fais de l'over, là, tu le mérites. Excellent, ça. Ah ouais, on y va. Il y a juste que je trouve que le son, il est pas assez fort. La musique, je l'avais pas mis forte. Pas assez fort. Tour 1 en 1. Oh, tabarnouche, je vais à la qualité de la piste. Oh! C'est ça, c'est moi ça. Pneumatique, ouais. Gomme, ouais. Attends, réglage. Oh. Oh là là. La musique semble correcte. Ouais, c'était pas pire, mais... on va l'essayer comme ça. Peut-être. Rendre la piste, on va voir. Continue manuel, là. Oh! Ouais, j'ai mis manuel. Oh, pas là. Oh, oh! Attends deux secondes. J'aime mieux entendre ta voix que le bruit des moteurs. Attends, paramètres. Tabarnouche. Paramètres audio. Peut-être monter ça à 7. Ouais. Ok, on y va de même, voir. C'est le temps de se mettre un peu dedans. Wow, 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 là, le temps de retrouver les vitesses. Et t'as... Eh hey, my God! Wow, wow, wow! Et t'as pas neuf. Tu peux-tu revenir? Attends, on va essayer. On va l'essayer, hein. Oh, hein. Revenir sur la piste. Recommencer la session. Ouais, on va recommencer ça, 5 pour voir. Peut-être s'habituer un peu. Pour commencer, peut-être que je serais mieux de mettre ça. Ok, prendre la piste. Paramètres. Aide. Bon, je pense que je vais mettre ça. Manuel, automatique, ça va être plus facile. Oh, c'est pas bien, bien ça, aide à la direction. Ah, c'est ça. Gage, anti-patineur. On va essayer ça demain, moi. C'est parti. Prise 2. Okay. Whoa.
manqué cette courbe-là. Pas grave, on va s'en reprendre. Ah, dérapé. Vraiment pas évident. On va le recommencer, bon, juste pour... Là, je commence à être pas pire. Prendre épaisse, c'est parti. Non! On essaie ça. Je vais lancer un jeu comme ça avec mon volant. Ah, c'est ça, j'ai manqué proche, mais c'est il est pas encore installé, mon volant et tout. J'ai voulu faire le test dessus, mais... God, ça aurait été trop long. Ça aurait été trop long. J'aurais manqué de temps. Peut-être le prochain coup. Et c'est parti. J'ai trop de misère avec. Deux secondes, je vais juste régler mes aides pour que ça soit le fun. Ouais, ça, on va essayer de mal voir. Ok. Bon, là, c'est la bonne. Là, cette fois-ci, c'est la bonne. C'est parti. Pas trop seulement. Donc on va essayer, voir. Papi! On va le réussir! On est papi! Et c'est vraiment qui est proche! De sortir. Allez. On va le rattraper, on va l'envoyer. Deuxième! Wow! Ou Dum Dum Villeneuve! aussi! Michel Vaillant! Bon! Pas pire! Deuxième! Ça va partir pas pire, ça! Les qualifications sont terminées et nous sommes prêts pour une course palpitante demain. Voici les trois meilleurs temps: Drugovic, le maître et Christian Lundgaard. Nous connaissons désormais la grille de départ. La prochaine étape sera la course. Alors retrouvez-nous demain pour vivre d'autres grands moments. Fait qu'on se dit à demain. Non. À demain. Comment ça, c'est marqué nouveau pilote? C'est Dum Dum. Attends, enfin, nouveau pilote. M'appelle pas de même. Allez. Confirmé. Ouais. Ça se part bien, ça, deuxième. Oh, la course principale, 5 tours. Durée des tours, court. Ouais, c'est bon, ça. Désactiver. Un tour, format de course, course principale uniquement. C'est bien, ça. On y va avec ça.
J'ai acheté le jeu ou bien sur le Game Pass? Non, il est pas sur le Game Pass, mais tu peux l'avoir avec Origin, Warwin. Je l'ai pris avec... J'ai pris un mois d'Origin, tu as tous les jeux de EA. J'ai payé pour un mois seulement, puis ça coûtait 20 balles. Pour 20 balles, j'avais le goût de l'essayer. Genre, ouais, donc. Puis là, ben, je vais avoir EA pour les vacances un peu. Je vais avoir la passe aussi, mais juste avec Origin. Pas avec la Xbox Game Pass, parce que ça aurait été trop le fun. Bon, c'est parti. Oh, regarde ça. Bienvenue à Sakhir, sur le circuit international de Bahreïn, où la grille se met en place pour la course du jour. Très belle la piste, hein? 27 degrés, Bahreïn, c'est chaud. Ce sont 5,4 km de piste, de nombreuses occasions de dépassement, avec 15 virages. Ce circuit a la réputation d'être très exigeant pour les pneus arrière. Alors il va être intéressant de voir comment nos jeunes pilotes gèrent leur gomme. C'est peut-être la stratégie qui va déterminer qui va gagner cette course. Pas de trouble, Warwin. Bon, je connais pas pantoute. Après la superbe séance de qualification d'hier, il est temps de jeter un œil à la grille de départ. Le départ, Felipe Drugovic part en pole position à l'issue d'une belle performance lors des qualifications d'hier. Et le maître complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille... Piastri... Et moi? Enzo Fittipaldi... Et Sato, Pourchaire, Lawson, Tictum, Jack Atkin, Beckman, Daruvala, Jurevics et Armstrong, Schwartzmann, Zhao, Zendeli et Ralf Boschung. Nissany, Deleda, Visca... c'est beau, hein? Davide, vous êtes triple vainqueur ici en une semaine, il me semble. C'était en 2012. Mais comment faites-vous pour faire durer vos pneus sur un circuit pareil? Les Pirelli s'usent tellement vite. Pour être honnête, l'important dans une course, c'est de faire un bon départ pour mettre sa voiture dans les meilleures conditions. Ensuite, il faut économiser les pneus pour essayer de les faire durer jusqu'au bout. Facile à dire, mais pas à faire. Oh, par là. Bon, c'est parti. Je sais ce que t'as dans le ventre. Ne me déçois pas. L'autre avec son séchoir. Ouais, ah ouais, un petit peu plus fort. Un petit peu plus fort, ah ouais. Commencez la course, c'est parti. Maintenir pour embrayer. Va-tu ça, il va-tu tirer? Faut que j'embraye. Débraye, attends l'extinction des feux. Prépare le moteur, monte dans les tours et attends. Ouais! Hey! J'ai fait un faux départ. Un pas bon départ. Ah ouais, la gun, ok. Oups là. Ah. Allez. Ah! Je voulais le dépasser par l'intérieur, mais j'ai trop accroché. Ok. On se concentre. Du contrôle. Attends. 5 pour se réchauffer. 5 pour se réchauffer. Pas facile. Pas facile quand même. Parti. Putain, toi. Je l'ai battu. Par l'intérieur, on l'a coupé. Premier.
Bon, faut rester premier. OK. Et pas là. Ils sont en arrière, ils sont en arrière, on est correct, on est correct. Ah non, 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 je le sens pas, je le sens pas. Et il a essayé de me couper. OK. Ouh! Ouais, on tient la première position. Et... Yes, sir! Oh, on a de l'avance, on a de l'avance. Fait qu'on y va tranquillement. Sécurité. Comme ça, il peut rien arriver. C'est ça. Pas facile, non, pas facile quand même. Wow! On va le capable, on est capable de tenir. Un tour sur cinq de défaite, on lâche pas. Yes, ça va bien. Yes. C'est bon, c'est bon. Et je l'aime pas cette courbe-là. On y vient, on y vient. Oh! Et c'est pas là, pas facile. Oh, c'est manqué proche à prendre notre clos. Yes, 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 yes. Ça va bien, ça va bien. Bon. On a de l'avance, on a de l'avance. Troisième tour de fête. Bon travail, tu viens d'établir le meilleur tour de la course. Merci, merci. Faites le meilleur tour. Wow. Allez. Allez. Excellent. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On essaie de garder notre avance. Nice. Ça, regarde ça, comme un pro. J'ai même de l'avance.
Et c'est parti à fond. Quatrième tour. Yes. Bon boulot, tu viens d'inscrire le meilleur tour en course. Encore? Good. On a de l'avance, dernier tour. Non, pas encore. Il nous reste encore. C'est pas le dernier tour. Hein? Youhou! Yes! Voilà, ça y est. C'est notre dernier tour. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Yes! Parfait, ça. On va la gagner. Quasiment dans la poche. T'es gagné. Hop. Oh. Yes. Dernière courbe. Avant la victoire. La première victoire. En F2. Et voilà. Et c'est dans la poche. Yeah! Superbe pilotage, on a réussi. Bien joué. Merci Warwin. Hein? Mérite ça. Yes! Yes! Number one! Hein? Hein? Nouveau pilote. Le meilleur. Cette course n'a vraiment pas été de tout repos et la victoire en est plus belle. Selon vous, David, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui? Je crois que c'est parce qu'il a réussi à garder la tête froide et qu'il a gagné la course. Il a su gérer toutes les mauvaises passes avec calme et professionnalisme et il est resté régulier. C'est ça. Ça lui a permis de tirer le meilleur de tout le reste, la voiture, la stratégie. Il a réussi à éviter tous les écueils tout au long de la course. Voici les pilotes qui s'avancent vers le podium. Hein? Il est temps pour MP Motorsport de récupérer son trophée. Chapeau bas à toute l'équipe pour cette superbe performance. Merci, merci. Allez, bois le champagne dedans. Quel est le champagne? Ah non, là, ça prend du champagne. Hein, ça y est. Un doigt. «
Il l'envoie à qui, les jets d'eau, quand les autres sont à l'autre bout? Hein? Yes, sir! Ah, barnouche, pas pire, pas pire! Bon! Échelon 3, on va voir une nouvelle calotte. Analysons l'impact de ce résultat sur le classement des pilotes. Le maître prend la tête du championnat des pilotes. Yes, alors, le maître. Alors, David Valsecki, quel pilote a réalisé la meilleure prestation aujourd'hui? Je pense que c'est le pilote de MP Motorsport. Il a été majestueux aujourd'hui. Rien à redire sur sa performance. Voyons ce qui se passe au classement des écuries. MP non. Motorsport se hisse au sommet du classement. Après tous ces rebondissements aujourd'hui, il serait vraiment dommage de rater la prochaine course. Alors à bientôt, j'espère. Bon, à bientôt. Hey, parfait ça. Confirmé, bien sûr. Visionner les temps forts, hein, c'est pas pire ça. On fait confirmer. Hein? Un tour, course principale, 5 tours, on y va avec ça. On la connaît pas, pas grave. Monaco! Oh, Monaco! Hey, ça, ça a l'air d'être toute une ville à aller voir. Tabarnouche. Salut, Warkless. Non, je l'ai pas installé encore, mon volant. Il est juste là, là, je le regarde, il est pas installé rien, ça m'aurait pris trop de temps. J'ai installé la caméra et tout, là. J'aurais pas pu l'essayer sans ça. J'ai essayé de finir de travailler le plus de bonheur, puis... Même là, j'ai eu un peu de la misère avec mon éclairage et tout. J'ai pas comme d'habitude, là, j'ai pris quasiment 45 minutes là-dessus. Ben, on prend la piste, allez. Ouais. On y va de même. Oh, c'est bol. Rouler en F2 dans une ville de Monaco. Je la connais pas, pas en tout en plus de ça. Ouais, je la connais pas. Aurait-il l'essayé? Allez, 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 allez. Hé! Hey! Tout un crunch, là! Tabarnak! Hé! Hey! Tu as cette piste-là? Oh, tabarnak! My God! Vous comprenez qu'il disait que c'était une piste technique, là, je comprends. Tabarnak! Malade! Tabarnak, je finis 22e! Pourquoi que je dois ça? Parce que c'est pour le fun. Ouais. Elle tourne beaucoup plus qu'une course de voiture traditionnelle. Nous remettons doucement de nos émotions à l'issue de ces qualifications. Voici le top 3. Pourchaire, Daruvala et Robert Schwartzmann. Il est temps de se quitter, mais ce n'était que le début. Rejoignez-nous demain pour la course. Recommencez. On va recommencer. Hey, 22e, on va être meilleur que ça. C'est pour l'essayer, Warkless, pour le fun. C'est le fun pareil à manette. Hein, c'est parti. Hein, c'est bon.
Yes. Tabarnache, allez. Ah, oh, tabarnache, la colline vient de maganer le champ. Oh, aïe, 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 aïe. Allez, 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 allez. Tabarnak, je finis combien? 22e encore. Oh, 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 oh. T'aimes pas trop la manière, hein? C'est vrai, ça. Le délai, il est énorme. Ah oui, c'est sûr, c'est bien mieux des jeux de main, mais au volant, ça, c'est sûr et certain. Ah! Oh! Elle mène trop dur, cette piste-là. La grille pour la course de demain est maintenant établie. Jetons rapidement un œil aux trois meilleurs chronos. Vips, Sato et Felipe Drugovic. On mène trop nous connaissons tôt. Désormais la grille de départ. La prochaine étape sera la course. Alors, retrouvez-nous demain pour vivre d'autres grands moments. À très vite! Ah, je suis position numéro 1. Ah oui, c'est marqué. Position numéro 1. Comment ça, ici, c'est pas marqué? OK, en tout, ça, c'est le classement en tout. Le classement des pilotes. Oh my God. Ouais, mais hein, 22e, c'est pas fort, c'est pas fort. On aurait essayé, hey, je peux pas rester 22e, c'est pas vrai. Hey, elle va être pas faisable, cette piste-là. Avec cette courbe là. Allez, 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 allez. Ah, j'ai manqué. Allez, 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 allez. Quinzième. Bon, on va y aller avec ça. On va y aller avec ça. On a augmenté un peu au moins. Colline. Pas facile. Pas facile. C'est juste ça qui me bloquait de ce genre de jeu. Les qualifications sont terminées et nous sommes prêts pour une course palpitante. On y va. On y va. Un championnat, c'est fait pour ça. Etken et Oscar Piastri. Il est temps de nous quitter, mais nous nous retrouvons demain pour assister à la course principale. Je suis même pas dans les 14 premiers. On y va. Elle est tough, elle est tough. Je comprends pourquoi ils disent que Monaco, c'est tough. Ah ouais, on y va. C'est pour le fun. Il va y avoir de l'action. Il va en avoir à dépasser.
Et là, la force. 5 tours, on a le temps. Monaco, la Formule 2 est de retour dans ce célèbre temple de la course et l'excitation monte de plus en plus à l'approche du départ de la course. Le circuit de Monaco est, pour des raisons pratiques, resté presque inchangé depuis ses débuts en 1929. Hmm? C'est bizarre quand on y pense, mais les 3,3 km du tracé feront faire aux pilotes le tour d'un pays entier. 19 virages, mais peu d'occasions de dépassement. C'est plutôt un circuit qui met en valeur le talent des pilotes. Et là qu'on va voir mon talent. Avant le départ, revoyons ce qu'ont donné les qualifications d'hier en s'intéressant à la grille de départ. Felipe Drugovic. C'est bon, c'est bon. Bienvenue en Formule 2, je suis Alex Jack et c'est à nouveau le champion de GP2, David Valsecchi, qui m'accompagne. La course d'aujourd'hui se déroule sur l'un des circuits urbains les plus célèbres du sport mécanique, Monaco. Davide, qu'est-ce qui rend ce circuit si spécial ? Bonjour Alex, je suis très content d'être ici aujourd'hui. Monaco est un circuit court, avec très peu de place pour les dépassements. Il exige des freinages et un pilotage d'une précision chirurgicale afin de bien négocier son tracé sinueux. Aucun autre circuit ne met autant à l'épreuve les capacités de pilotage. Et je crois que c'est cela qui lui a donné ses lettres de noblesse auprès des pilotes et des fans. Quels que soient vos résultats dans le championnat, si vous décrochez une victoire à Monaco, vous entrez dans l'histoire. On a fini dans les points la dernière course. Il faut continuer sur notre lancée. Bonne chance. C'est parti. On va réussir. Ça commence mal. Une pénalité là-dessus. Tu vas lui rendre sa place, ton Ben oui, j'ai triché. Maintenant qu'on a marqué des points, on ne va pas... Allez, pense. Pas facile. Merci. Faut peser sur le bouton pour partir. Un morceau qui m'a volé. On réfléchit à une stratégie. Tu veux changer ou continuer à suivre le plan initial? Pas grave, on n'a pas besoin de ces ailes-là. Ça sert à rien. Allez. Mais quelle position? Septième. Allez. Yes. Lâche les murs.
Allez, allez. Oh, on a besoin de les rattraper. Ah non, non, la réduction de la traînée ou DRS permet de rabattre l'aileron arrière pour réduire la traînée. Ah, j'ai trop touché au mur, j'ai trop magané mon char. On a fini dans les points la dernière course, il faut continuer. Bon, le sabre. Serré. Ah! On réfléchit à une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change? Regardez mon positionnement. 12e. Allez. Se concentrer sur le reste de la course. Bon, allez, on y va. Hey! Allez! Allez, 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 allez! Ah! La roue d'en arrière. On va l'avoir. On va la voir.
aller le rattraper. Ah! Ça, c'est de la triche. Non! Tabarnache. Bon. Allez. Aïe aïe, ça a fait mal. Puis ce champ est même trop magané. Excellent, c'est parti. Les commissaires vont infliger une pénalité. Bon. Pas fait par exprès. Parti. Oh, bien, ça a mal été. Regarde, 12e. Fait chaud. Fait chaud. Encore une course parfaite et une victoire fantastique pour Virtuosi. Comment expliquez-vous ce triomphe, Davide ? Cette course, cette victoire, il ne les doit qu'à une seule chose, vraiment, sa régularité. Vraiment tough, cette piste-là. Tout le monde peut être rapide sur un tour ici. Mais être rapide à chaque tour, tour après tour, c'est une autre paire de manches. Quand on atteint une telle régularité, quand on réussit à gagner du terrain sur ses adversaires qui commettent... Hein? Et voici notre podium du... C'est bon. Voyons à quoi ressemble le classement des pilotes. Felipe Drugovic prend la tête du championnat des pilotes. Passons au pilote du jour. Davide Valsecchi, pour qui votez-vous ? Pour moi, c'est Felipe Drugovic. Il a été... C'est...
Cool. Format des essais. Séance 5, ouais. Qualification. Format, au moins faire un essai de la course. Connaître la course. Ouais. Ouais, essai libre. Parfait. On y va. On va l'essayer pour commencer. Bakou. Allez, on va prendre la piste. Partie du stand. La piste est froide, alors inutile de trop forcer pour l'instant. Roule tranquillement sur les deux premiers tours. Les vidéos. Connaître un peu pour commencer. Un bon bout de droit ici. Il n'y a pas trop de... Ça se fait bien. Il y a une tour de fête. Un dernier tour juste pour être sûr. On va pousser un peu la machine. Bien. Ok. Oh merde. Retourner au menu. Pour sortir, c'est ça qu'on fait. Et j'ai brisé la roue, hein? Pas à peu près.
Fallait-tu retourner au pit? Je pense que oui. Poursuivre. Ouais. J'ai sorti complètement. Bon. Pas grave. On fera pas dessin. Oh, on va bien se faire ça là, d'après moi. Faire départ lancé. Oh non, comme ça. Ah, avec un départ lancé. Retourner au garage. Oui, tenant. C'est ce qu'il fallait que je chasse. Avance rapide, avance pas plus. Hein? Ou c'est vraiment 30 minutes. Ok. Encombré. Allez, allez, allez. C'est long pareil. Ah! Oh. Bon, prochain coup, on le mettra pas. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Bon, allez. Les pilotes ayant tous franchi la ligne d'arrivée, je vous rappelle le top 3. Etken, Armstrong et Marino Sato. Merci d'avoir assisté à cette séance d'essai libre. Retrouvons-nous. Bon, la qualif. C'est parti. C'est ça, cette qualif-là. Qualification, c'est parti. Baku. André, c'est parti. La courbe comme il faut, pas grave. Yes. On va bien. Oh yes, ça va bien.
arrive à la ligne d'arrivée. Excellent. Voilà. Oh yes! C'est du très beau travail. Bien joué, tu as été fantastique. Premier! Ben toi! Nous nous remettons doucement de nos émotions à l'issue de ces qualifications. Voici le top 3. Le maître, Schwartzmann et Daniel Tictum. Les qualifications s'achèvent et il ne nous reste plus qu'à attendre la course. Rendez-vous demain en direct pour vivre la course principale en intégralité. Ouais, on va la gagner. Un autre winner, ça. C'est plate qui marque nouveau pilote, par exemple. Allez, c'est parti, on la gagne. Baku ne déçoit jamais les fans de mouille. Formule 2. Alors tenez-vous bien, les voitures sont installées sur la grille et d'un moment à l'autre, la course va commencer. Bienvenue en Azerbaïdjan. Toutoum. Légère pulie. Le circuit urbain de Baku propose aux pilotes sur 5,9 km, 7 courbes à droite et 13 à gauche pour un total de 20 virages. La voiture de sécurité pourrait bien intervenir aujourd'hui, car les accidents sont fréquents sur ce circuit et la pluie ne va pas arranger les choses, en particulier au niveau du virage numéro 8, très serré. Je suis rejoint par un expert du pilotage sous la pluie, j'ai nommé Davide Valsecchi. Davide, d'après vous, comment la pluie va-t-elle affecter les performances de nos pilotes? Je suis ravi d'être là, Alex, même par ce temps. Ah, rien ne sera facile pour eux aujourd'hui. Avec les risques d'avoir de l'eau stagnante, la visibilité deviendra l'obsession de chaque pilote à l'approche du départ de la course. Il faut juste qu'ils se souviennent qu'il faut éviter de rouler sur les lignes peintes et sur les vibreurs, qui seront particulièrement glissants dans ces conditions. Ok. On a encore une chance de remporter le titre. Tu vas devoir attaquer autant que possible dans les 5 courses qui restent. Parti. C'est parti. Oh le tabarnache. Allez, on va aller chercher. Si la pluie apparaît. Gagnant derrière. Thank you.
toujours deuxième. On a de la misère à rattraper le premier. On va aller le chercher. On va aller le chercher tranquillement. Ça, je l'ai mal pris. Ça, je l'ai mal pris. Ah, ga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 g
Allez, allez, allez. On glisse vraiment. Ouh, ça passe et flush. Yes. Excellent. Quatre tours sur cinq. C'est le meilleur tour en course. Continue comme ça. Excellent. Yes, 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 ça va bien, ça va bien. Yes, perfecto. Ok, on a réussi, on a réussi. Et... c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oh, le tabarnache! Il a voulu me dépasser, il a pas réussi. On garde le cap de la deuxième position. C'est bon, c'est bon. Voilà! Deuxième position! Yes! C'est génial! Nous allons être sur le podium! Oui, monsieur! Ce week-end. Tu as assuré! Merci, merci! Et le deuxième, c'est moi! Ah, une montre même très pas. Très belle victoire pour l'écurie Préma aujourd'hui! Oh. D'après vous, Davide, à quoi peut-on attribuer cette victoire? Je dirais tout simplement qu'il est le meilleur pilote sur le mouillé. Ici, en F2, nous savons que toutes les voitures sont les mêmes, donc on ne peut pas mettre en cause tout ce qui touche à la voiture. Il gère tout simplement mieux le pilotage sur le mouillé que les autres. Il est ainsi capable d'accélérer plus longtemps, de pousser plus sa machine, de freiner tard et de tenir le cap. Ça donne l'impression qu'il a une voiture plus rapide, mais c'est juste le talent. Quel pilotage incroyable! Parfait, ça. La cérémonie de remise des prix va bientôt commencer, car je vois les pilotes qui s'avancent vers le podium. On le voit sur leur visage, c'est une nouvelle victoire extraordinaire pour Préma aujourd'hui. Ouais, bravo, bravo.
Hein? L'arrosage de champagne. Et bâtard. Gaspillage. Gaspillage. Buvez-la. Pas la gaspiller de même. Le pauvre gars, il voulait pas ça, lui. Hein? Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement des pilotes. Le leader vient de chuter au classement à la suite de ce mauvais résultat. J'ai une question pour vous, Davide Valsecchi. Qui est le pilote du jour? Et moi. À la séance suivante. Encore de la pluie? Et c'est libre, il fait jour, qualification jour, course principale, dans la pluie encore, tabarnache. Royaume-Uni. Ça a l'air bon ça. C'est parti. On est capable de faire ça. OK. Retourner au garage. C'est bon, on va être prêt.
qu'on est prêt pour faire les qualifs. Avance rapide. Ouais. Bon, fallait faire les objectifs. Oh, j'aime pas ça, moi. C'est juste pour savoir la course un peu. Après ça. On y va. Nous avons assisté à une séance intéressante. C'est parti. Qualification, c'est parti. Un tour. Ça roule, ça roule. Yes! Excellent. On va l'avoir. Et voilà. Fantastique, tu es en poule. Yes! Silverstone, ouais, c'est toute une belle piste, hein, Zander. C'en est toute une, ça. Ça roule, c'est le fun. Première position. La grille pour la course de demain est maintenant établie. Jetons rapidement un œil aux trois meilleurs chronos. Le maître, Viscal et Théo Pourchaire. Nous connaissons désormais la... Du tout. C'est parti. En pleine pluie, hein? Ah! Nous voici en ce dimanche de course à Silverstone. Les pilotes se préparent à embarquer dans leur monoplace. Rejoignons-les pour le départ de la course. Facile ce jeu-là, finalement. Les 5 km... Pas tant que ça. Le départ est imminent et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette course. Le maître part en pole position. Le maître. Et Bent Viscal, le talentueux néerlandais, complète la première ligne. En ce qui...
Je suis rejoint par un expert du pilotage sous la pluie, j'ai nommé Davide Valsecchi. Davide... Ok, David, ok. Je te rappelle que le Grand Prix se déroule dans le pays de notre fournisseur moteur. Il faut le remettre plein la vue. Oui, Workless, oui, on commence à être bien installé tranquillement. On commence. Mais oui, on est bien, on est content, mais il y a encore pas mal de choses à faire. J'étais un petit peu fatigué, mettons. Tiens, mais oui, on est content. On commence la course. Comme on dit, le pire est fait, ouais. Ah, brûlé. Enclenché, c'est parti. J'ai-tu fait... Ah, mauvais départ. Mauvais départ. Moi aussi. Casse-toi! On va le dépasser. Et... Il marque. Ah! Et si, bon, j'ai manqué le projet de déraper là. C'était pas une bonne idée de le dépasser là. Allez, on va trouver une fenêtre pour le dépasser. Fait ici. Oh, ça a peut-être marché. Ouais. Ouais. Bon, remis. Faut tenir. Oh, yes. Excellent. Ouais, ça c'est bien, très bien. Premier. On va essayer d'aller tranquillement. Pas loin. Il sautait. Allez. Excellent. Beau travail, tu viens d'établir le meilleur tour de la course.
La victoire est dans la poche. Voilà. Troisième tour. Quatrième tour. Troisième. Encore troisième. Pas grand. On a de l'avance. Mode sécure, on prend notre temps. On a de l'avance et tout, faut juste tenir ça. Voilà. Bon boulot, tu viens d'inscrire le meilleur tour en course. Yes, sir. Voici l'écart avec notre coéquipier, 19,4 secondes. Et tabarnouche, 19 secondes d'avance. Parfait, ça. C'est dans la poche. On va la gagner, on va la gagner. Dernier tour. On l'a, c'est dans la poche. Yeah.
Allez, à fond. Yes, sir! Dans la poche! Tu as travaillé dur pour obtenir cette victoire. Félicitations! Yes! Yes! Deuxième podium! Troisième podium! Non! Première place! Deuxième podium! N'ont peut-être pas livré leur meilleure prestation, mais cette victoire est extrêmement importante. Je suis curieux de savoir comment vous expliquer ce triomphe, mon cher Davide Valsecchi. Hein, c'est qui le meilleur? C'est qui le meilleur? Sur une course. Et il a su en tirer parti aujourd'hui pour s'emparer de la victoire. Dans ces conditions, c'est toujours un peu la loterie, mais au final, il a réussi à tenir la cape et à rester sur la piste. C'est déjà plus que ce que réussissent les autres avec une météo semblable. Voilà ce qui lui a permis de gagner aujourd'hui. Et voici qui s'avance vers le podium. Hein? L'écurie MP Motorsport a réalisé une excellente course. Ils font toutes des blackface. De oh les califs. Hey, pas le droit de faire ça. Hey, Justin Trudeau, retourne chez vous. Ils sont tous barbouillés la face. Galé les tabarnaches. Hey boy. Ce petit moment est pour Justin Trudeau. Bon, moi, c'est du nouveau champagne. C'est du champagne au chocolat, comme du lait au chocolat, mais là, c'est du champagne. C'est pas ça. Analysons ensemble l'impact de ce résultat sur le classement des pilotes. Yes! Le maître renforce sa place de leader au championnat. Yes! Alors, Davide Valsecchi, 27 points. Quel pilote a réalisé la meilleure prestation aujourd'hui? Je pense que c'est le pilote de MP Motorsport. Il a géré les duels au coude à coude avec beaucoup de finesse. De plus, il a fait preuve d'une grande maturité et d'une patience infinie dans les situations tendues. Passons donc aux écuries. MP Motorsport se hisse au sommet du classement. Hart a réalisé une belle prestation ce week-end. Il donne vraiment... Il a renforcé sa position au classement. Après des bons commentaires. Aujourd'hui, il serait vraiment dommage de rater la prochaine course. Alors à bientôt, j'espère. Tiens, on peut voir visionnement des temps forts. Ça fait quoi? Juste à regarder pour le fun. J'étais deuxième. Hein? En deuxième position, gars, ça. Et là, on va le dépasser. On dépasse, garde la cote. Hein? On le dépasse dans la courbe ici. On y touche un peu, on y fait peur. On y montre qu'on est dominant. Et voilà. Colin, c'est quand même réaliste pareil. Hein? Bien fait. Bon. C'est bon, ça. Confirmé. C'est parti. À la séance suivante. Ce serait bien de savoir c'est quelle la prochaine piste qu'on va faire. Italie! Oh! Bon. Ah ben là que les essais libres sont sous la pluie. Temps de réparation du système de refroidissement.
Faut attendre 3 minutes. Si tu ressens une chaleur intense, n'hésite pas à sauter du véhicule. Il y a un souci avec le système de refroidissement et il nous faut quelques minutes pour y remédier. Ben. Ouais. Allez. Fais-toi aller le séchoir. Ça, c'est un gars important. T'as-tu vu? Eh, mon doux. Une job importante, ça. 2 minutes. Et l'autre, il fait semblant de taponner sur son ordinateur. Regardez, il fait semblant de travailler. Je le sais, vous travaillez pas. Il joue à des jeux vidéo, Colin. Et bon, ouais, tu peux bouger le séchoir un peu, hein, à la même place. 2 minutes à attendre. My God. Système de refroidissement. Bon. Fait qu'on est en Italie. Une minute 40. Info sur la session. Bon. Dégager statut. 1 minute qui nous reste. Fait par exprès, Colin. Une 15. Ça s'en vient. On va pouvoir partir ça bientôt. Cinquante secondes, ça sera pas trop long. Faut attendre. Regardez, lui. Bon, on va essayer d'apprendre un peu cette course-là avant de faire la course. Un petit essai libre, à peu près 2 tours. Là. 2 tours, ça nous donne une bonne idée. Bon, le système de refroidissement va être réparé. Et voilà. Prendre la piste. Sortie du stand. On roule tranquillement au début, la piste est mouillée. Parfait. On va tester ça. Parti. Checker s'il y avait d'autres vues. Ça n'a pas l'air. Je ne laisserai pas là. Ah, c'est parti. On est sur la piste. Piste tranquillement. Tiens. Hey, y a-t-il une autre vue? Non. Ah. Non, je sais pas s'il y a un autre bouton pour la vue.
Caméra. Oh. Oh, OK. On peut les faire par ici. Salut à Danak. Oh. On peut avoir sans devant rien. Le nez seulement. J'aime bien comme ça, par exemple, je trouvais, moi. Ouais, et plusieurs vues. Donc, on va essayer comme ça, voir, juste pour le fun. Oh, pas pire, hein? On va l'essayer un peu comme ça pour le fun. Pas laid comme ça aussi, hein? C'est pas pire. Alors, si toi t'es là, chauffeur du dimanche. Wow, wow, wow! T'es comme toi, là. Après ça, attends, la vue éloignée. Celle qu'on voit pas les rétroviseurs. Comme ça, en réalité, pas de trouble. On va l'essayer. C'est le fun d'essayer plusieurs visions. Non, c'est une bonne question. Je me la posais tantôt, justement. On va avoir l'impression un petit peu plus de vitesse comme ça, hein? Ah ouais, c'est pas mal mieux, je trouve. Ouais, je l'aime bien, cette vision-là. On dirait que l'impression de vitesse est plus là. Ouais. Dans la vraie vie. Ben, dans la vraie vie, on a le volant, c'est vrai. On va réussir ça. On peut faire le calife. On va l'essayer de même. Retour au garage. C'est ça, je me demandais s'il y avait plusieurs vues. Ça se peut pas qu'un jeu de même n'a pas plusieurs vues. Info sur la session. Avance rapide. Ouais, allez. C'est juste pour savoir à peu près. Pas besoin de stratégie, rien. On va faire les qualifs. On va finir ça premier. Ça va pas trop long. C'est comme Walkless, c'est quasiment rendu trop facile, ce jeu-là. Quand même très dur. Jetons un œil au classement à la fin de cette séance. Voici à quoi ressemble le... Voilà. Qualification. Oh, il va... Bon, il va faire beau, puis la course principale va faire beau. Bon, ben fini la pluie. Oh, c'est bol. Il y a ça. Oh. Il fait semblant de me parler, mais c'est rien que ça cause la caméra est devant. Yes, yes, Adanak, ouais, je suis en Formule 2. Ouais, j'ai commencé par ça. J'ai dit, ça doit être plus facile que la Formule 1. Théoriquement, moins de compétition pour me mettre dedans, puis tout ça un peu. Ouais, c'est ça. Mode carrière, ouais. Fait que là, on y va pour la qualif. C'est parti. Et c'est bol. C'est parti.
C'est bon. Yes. Sortie de piste. Pas bon ça, c'est pas bon. On va se reprendre. Et ça roule de même, c'est incroyable. L'impression de vitesse est là, en tabarnouche à cette vue-là, là. Tabarnak. Yes. Très beau tour, bien joué. Premier. Yes, sir. Les qualifications sont terminées et nous sommes prêts pour une course palpitante demain. Voici les trois meilleurs temps. Le maître, Schwarzman et Jehan Daruvala. Il est temps de nous quitter, mais nous nous retrouvons demain pour assister à la course principale. Voilà, première position avec 86 points. Et toi. Confirmé. Yes, sir. On va essayer de continuer comme ça. Bonjour, nous vous accueillons aujourd'hui sur un circuit mythique que les fans du monde entier connaissent bien, Monza. Les moteurs commencent à rugir, les fans sont prêts à encourager leurs pilotes. Tout est prêt pour que cette course de Formule 2 commence. Découvrons la position des pilotes au départ de la course. Le maître part en pole position. Et Robert Schwarzman à la deuxième place. En ce qui concerne... Le virage numéro 1 de Monza est notoirement célèbre pour ses collisions et ses accidents, en particulier au premier tour. Qu'en pensez-vous, Davide ? Ouais, cette chicane est très délicate, même pour des pilotes expérimentés. En fait, ces derniers lèvent souvent le pied ici en cas de bagarre potentielle, lorsque les premiers essaient de se serrer sur la trajectoire d'entrée au bout de la large ligne droite. Ok. Maintenant qu'on a marqué des points, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On vise encore une arrivée dans les 10 premiers. On va être premier, pas dans les 10. Premier. Parfait. Je pense que c'est bon. Yes! On a même de l'avance. Parfait, ça. Allez. C'est bon. C'est bon. T'es en train de prendre l'avance en masse. Et voilà, meilleur tour.
On a assez d'avance, on est avec comme ça. Pastoche. Bon là, j'augmente la difficulté. Donc, à fond. Tu viens d'établir le meilleur tour de la course. Toujours premier. On va être un autre facile, ça. Yes, c'est là. Ça rentre au poste en tabarnak. L'impression de vitesse, là, je vous donne. Bon. En VR, ça doit être malade ce jeu-là. Ça m'a quasiment donné le goût d'installer mon VR puis de l'essayer. Il va falloir que je l'essaye. Hey, ça va être même trop malade. En réalité virtuelle, fou. L'écart avec notre coéquipier est de 20,2 secondes. Ça roule. Ouais, à fond. Quatrième tour. Colin manquait le projet de déraper. Dernier tour. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Yes. Yes. Yes.
Yes, sir. Oh! Incroyable, tout simplement génial, super boulot. Merci, merci. Le pilote du jour, présenté par RDS. Après une journée riche en rebondissements, la course touche à sa fin. Yes. D'après vous, David, yes. C'est qui le meilleur? C'est qui le meilleur? À obtenir ce résultat. C'est très simple. Il a su imposer son rythme. On pourrait passer des heures à parler de stratégie de course et de gestion des pneus, de ce qui s'est passé sur le circuit, mais en définitive, ce qui a fait la différence ici, c'est qu'il a roulé plus vite que les autres. Avec eux autres. C'était du grand spectacle. Voici les pilotes qui s'avancent vers le podium. Il est temps pour MP Motorsport de récupérer ce trophée. Je ne sais pas pourquoi ils sont tous en noir. Superbe performance. Quel contrat que je vais avoir en F1 pour débuter? J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Ça va bien à date, mes affaires, pour la Formule 2. Ils ont voulu faire comme Trudeau. Ce moment blackface a été commandité par Justin Trudeau. C'est un hommage à Justin. Un nouveau casse. Oh, voyons yes. À quoi ressemble le classement des pilotes. Le maître renforce sa place de leader au championnat. Passons au pilote du jour. David Valsecchi, pour qui votez-vous? Je pense que c'est le pilote de MP Motorsport. Cette course n'a pas été avare en surprise, mais il a sans doute été le seul à exploiter tout son potentiel. Jetons à présent un œil au classement des écuries. Le leader du championnat chute au classement après un bon résultat de la concurrence ce week-end. Grâce à sa performance du week-end, Carlin gagne du terrain. Confirmé. Après... Yes, sir. Un autre. Oh, oh, ça va être beau ici. Oh. Attends, paramètres. Y a-t-il un paramètre de nom? Il me semble un nouveau pilote. C'est comme... C'est comme plate à voir. Flashback, je n'ai jamais utilisé. Non, moi je fais pas ça de flashback. Tu peux même... enlever les collisions si tu veux. Paramètres de carrière, ouais, j'y étais, c'était pas ça. Niveau de difficulté de lier. Tu peux. Ah, oh, un petit peu plus intelligent. Paramètres de carrière. Changement d'écurie. Gestion. Non. Bon, tant pis. Non, on n'a pas grand-chose, hein? Pas bien, bien. Parce que le jeu n'est pas sorti encore. Ça se peut. Ça se peut. Ça se peut que ça soit ça, t'as raison. Donc, on peut pas. Bon, on va continuer pareil. À la séance suivante, on va essayer juste de connaître un peu la piste avant. Un ou deux tours. Je fais pas tout, là. 30 minutes quand même, c'est long. Hein? Wow, il est beau quand même. Hein? Alimentation défaut. Ah, mais c'est pas le fun, ça? Attends, peux-tu faire accélération? Ben ouais. On a un problème à signaler. Il y a quelque chose qui cloche avec le système d'injection du carburant. On s'occupe du problème, mais il va falloir se tenir à l'écart de la piste pendant un moment. C'est fini. On va l'essayer, hein. C'est parti. Rendre la piste. Sortie du stand. Le manque d'adhérence sur la piste. Vas-y mollo sur les deux premiers tours. Ok.
C'est parti. Yes, c'est bon. J'aime vraiment cette vue-là. L'impression de vitesse est incroyable. C'est quoi la différence entre F1 et F2? Hey, salut Pépito! Salut, salut! Je connais tellement ça, Warkless, que je sais pas te répondre. La seule chose que j'ai pensé, c'est que la F2, ça doit être moins hot que la F1, mais la seule chose... Je sais même pas c'est quoi la différence. Je savais même pas si elle existait de la F2 tout court. Ça, au point de vue de course de F1, là, mes connaissances sont très, très, très limitées. Bon, c'est bon, ça va être facile, ça va être facile. Retour au garage. On va faire la course, on va faire la qualif. On ne perd pas trop notre temps, on l'a sait déjà pas mal. Info de la session. Avance rapide, tiens. Le pupito, ben c'est ça, hein? C'est pas plus compliqué que ça, là. Le 1, t'as bien raison. Bon, on va faire ça, cette qualif-là. Pas pire, c'est pas pire, je suis surpris. Je m'attendais que ça serait plus hard que ça. Ça l'est pareil. Les pilotes ayant tous franchi la ligne d'arrivée, je vous rappelle le top 3. Bon, les qualifs. Juste un tour. La formule électrique à cause de Montréal avec le maire Coderre. L'arnaque du maire Coderre avec la formule électrique. Elle doit rouler en tabarnouche, par exemple, la formule électrique. Tabarnouche, ça doit être assez puissant. Ou la course principale, là, non, pas à pluie. Ah! Oh. Bon. On va faire la qualif. C'est beau, ça, cette bâtisse-là. C'est design. C'est parti. En épice. Ouais. C'est parti. Hein? Pas bien eu. Pas grave. Wouhou!
Yes. C'est bon. Yes, yes. C'est parti. Je pense que c'est la victoire. Première place. C'est du très beau travail. Bien joué. Tu es fantastique. Tu sais à quoi ça veut, que ça veut dire? Loc du Québec, peut-être. Non, BDT. Nous nous remettons doucement de nos émotions à l'issue de ces qualifications. Voici le top 3. Le maître, Sato et Oscar Piastri. Il est temps de nous quitter, mais nous nous retrouvons demain pour assister à la course principale. Hein? Premier. Je la cherchais. Allez. Ben, c'est peut-être une belle alternative de starter à Formule 2 puis que c'est moins tough que la Formule 1 parce que, il me semble, à ce jeu-là, la Formule 1, c'est quasiment pas faisable. Surtout à manette. Allez, bonjour et bienvenue bonjour. Sur le circuit urbain de Jeddah. La Jeddah. Tension est à son comble à l'approche du départ pour la course Jeddah. De Formule 2 de ce jour, ici en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, c'est ça que j'allais dire. Je connais même pas. Comme beaucoup d'autres circuits urbains, Jeddah est un tracé très technique. Certains de ses virages sont déjà très éprouvants par temps sec, et avec les conditions du jour, il va être très intéressant de voir comment nos jeunes pilotes de F2 s'en sortent. De par mais ses caractéristiques, y a-t-il vraiment de F1 dans le jeu? Supposé. Ne pardonnera pas la moindre erreur. Pas rendu espérons là, mais... que la voiture de sécurité ne sera pas de sortie aujourd'hui. Il y a une piste que j'ai hâte d'essayer, par exemple. C'est sûr que je vais l'essayer, c'est Montréal. Je vais essayer ça. Des pilotes sur la grille. Le maître part en pole position et Marino Sato s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Piastri. Ouais. Bon. Moi en je premier. Suis rejoint par un expert du pilotage sous la pluie, j'ai nommé Davide Valsecchi. Davide, d'après vous, comment la pluie va-t-elle affecter les... Bon. On a fini dans les points la dernière course, il faut continuer sur notre lancée. Et bon, on y va. Ah! Ah, tu peux pas faire de faux départ. Merde, j'ai tellement mal parti. Tu trichais, ça? Non. Ah, j'ai mal parti. C'est parti. Tricheur, ouais. Non. Ah! Passe-toi en avant de moi! Avertissement! Sato, il y a juste à Sato se tasser. Essayer de trouver une ouverture pour le dépasser. On a l'occasion. Non. Ah, le tabarnouche.
va y faire un salto arrière. Un salto. C'est chaud. C'est ici, par l'intérieur. Et yes. Yes, sir. Excellent. Yes. Bon. On l'a. On a de l'avance. Et bon, c'est dans la poche, deuxième tour. Rendu. Troisième. Tu viens d'inscrire le meilleur tour en course. Yes. Gomme ici. C'est juste. Mais bon. Pour moi, on va mettre lié un petit peu plus difficile. Tabarnouche que ça roule. Ça, là, je fais un gros GG au développeur pour l'impression de vitesse. La pluie, il y en a un petit peu moins, par exemple. C'est à cause de l'effet de la pluie. Là. On dirait qu'il y en a un petit peu moins quand il mouille. On va moins vite aussi. Troisième tour, quatrième, on tombe dans le quatrième. Voilà. C'est fait. Quatrième tour.
Tabarnouche, j'ai frappé le mur. Pas grave, ça a pas fait vraiment de gros dégâts. Ça a pas fait de dégâts tout court. Bon. On finit ça en beauté. Cinquième, dernier tour. Dernier tour en course, c'est excellent. Tour. Voici l'écart avec notre coéquipier. 18,1 seconde. 18 secondes. On va monter un peu la difficulté. Cinquième tour. Yeah! Moi, je suis livreur de poulet. Tu décroches le titre, le champion. Arrivé toujours chaud. Quel résultat, c'est formidable. Ben, j'ai été livreur de pizza, Pépito, hein. Tu vois l'expérience du livreur. Au fil des ans, j'ai eu la chance de vivre beaucoup de grands moments sportifs. Et il est certain Gassa, que... Gain. Hein? Hein? Qui fait des beignes? Hein? Dum-dum? C'est une victoire arrachée de justesse après une lutte titanesque sur la piste. Nanana. C'est qui le meilleur? Selon vous, Davide, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui? Il a su prendre l'avantage grâce à sa gestion de la température de ses pneus. Il n'y avait de toute façon pas beaucoup d'adhérence aujourd'hui, mais c'est encore pire pour les pilotes qui ne parviennent pas à maintenir leurs pneus dans la bonne plage d'utilisation. En plein saut. C'est parce qu'il a réussi à garder ses pneus chauds qu'il a surpassé les autres aujourd'hui et qu'il a remporté cette victoire. J'ai fait ça, j'ai travaillé pour tenir mes pneus chauds. J'ai travaillé tellement fort. Je les ai serrés contre moi, frottés, les gardés tout le temps chauds. Faut pas qu'ils gèlent ces temps-là.
Hein? Dirt Rally KF1, Walkless, moi aussi je suis pas mal plus que Dirt Rally. Honnêtement, Dirt Rally. J'ai une question pour vous, David Evalsecki. Bon, hey, j'ai même joué, j'ai fait des compétitions contre des vrais. Contre des vrais courseurs de rallye. Jetons à présent un œil au classement des écuries. Trident a également réalisé une très belle course de F1 ce week-end. Saluons cette performance de l'équipe italienne qui lui permet de progresser au classement. Après tous ces rebondissements aujourd'hui, il serait vraiment dommage de rater la prochaine course. Ben toi, excellent. Ouais, Dot Rally, c'est une référence, ça c'est sûr. Il aurait sorti une Dot Rally aujourd'hui, j'aurais été fou. Quand même, je rentre dedans. Je dirais la prise en main au début est un petit peu difficile et pas facile. Mais un coup que tu te prends en main, tu t'habitues, tu as fait une coupe de piste, ça se prend bien, je trouve. Bon, moi, je dirais info. Bon, on va apprendre la piste. La piste est froide, alors fais quelques tours, histoire de faire chauffer les gommes et d'appréhender la piste. Parfait. On va essayer ça, voir, y a-tu des courbes? J'ai même pas remarqué dans quel pays qu'on était. Ou qu'on était sur quelle piste. Elle ne dit rien, cette piste-là. Rolex. C'est pas moi qui choque. On voit la différence. Là, c'est moi. Et c'est parti. On va tester ça. Ok, ici, c'est moyen. C'est bon. Manqué pas, j'ai frappé le poteau. Yamarina circuit. Ok. C'est pas par ici je pouvais accéder dans les paramètres au point de vue. Non, pas des aides. C'est dans quoi? Paramètres de simulation. Ah, je peux pas. Je peux pas ici. OK. OK, on continue. Bon. Un petit dernier tour juste pour être sûr. Rattrape même une forme noire. Ouais, on va mettre la difficulté liée un petit peu plus tard.
OK. Retourner au garage. On y va tout de suite au calife. Pour la session. Avance rapide. Voilà. Fait que... On va essayer ça. Ça, mais en plus, on va être en pluie, hein. Et ça sera pas facile. Je m'en souviens plus. Allez. 10. 8. Nous avons assisté à une séance intéressante. Les trois meilleurs chronos sont les suivants. Sato, Etken et Jehan Daruvala. On est parti. On start ça. Hein? Ah, il va faire beau. Parfait, ça. Qualification. C'est en pleine nuit? Ben oui. Oh! En pleine nuit. Ah merde, j'aurais dû changer la difficulté. Je peux-tu le faire là? Hey, c'est beau, hein? Non, je peux pas changer la difficulté. Réglage. La nuit. Bon, on va y aller de même. Oh yes! C'est parti. Bon, c'est bon. On va l'avoir. C'est parti. Fantastique, tu es en poule. Yes! Ah, on va monter les certains. La grille pour la course de demain est maintenant établie. Jetons parfait. Rapidement un œil aux trois meilleurs chronos. Le maître, Schwartzmann et Théo Pourchaire. Yes! Paramètres. Là, on va pouvoir la faire. Réalisme. On va mettre ça à 37. Parfait, ça.
On va l'essayer de même. Un petit peu plus de challenge, c'est pas mauvais. Bienvenue donc aux Émirats Arabes Unis. Nos pilotes sont sur la grille et le départ de cette course de Formule 2 d'Abu Dhabi est imminent. Le circuit de Yas Marina propose aux pilotes 21 virages répartis sur une distance de 5,5 km. Les virages 8 et 11 offrent les meilleures opportunités de dépassement à la suite de longues lignes droites et de zones DRS. Nous devrions voir de haute vitesse et de l'action au coude à coude aujourd'hui. De quoi satisfaire les fans de la discipline. Excellent. Voilà la grille pour la course d'aujourd'hui, qui devrait débuter très bientôt. Je suis assis là, quelque peu ému, à côté de mon ami Davide Valsecchi. Nous y sommes, c'est la fin... C'est parti. Maintenant qu'on a marqué des points, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On vise encore une arrivée dans les 10 premiers. Les 10 premiers? Premier! Tout est dit. Oh! C'est l'air d'un beau départ, ça? Non, on s'est dépassé. Tabarnouche. Tasse-toi! Toi, reste en arrière. C'est parti. Oh, j'ai revolé. Correct. Je ne suis pas trop loin. On voit que il est pas mal plus intelligent, un petit peu plus tough. C'est bon. Et bien. Ça a frôlé. Sorti complètement de la course. Pas grave. On a même un petit peu d'avance. Excellent. Avance encore. Ouh, ça a été juste. Ok, parfait. Deuxième fois, j'accroche ce mur là. Un petit peu plus tranquillos. On a de l'avance en masse. C'est le meilleur tour en course, continue comme ça. C'est bon.
c'est parti. À fond, à fond. Accrocher le poteau. Ah, 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 ah. Troisième tour, on arrive au quatrième. Comme pas. Excellent. Yes. Oui. Attends, non. Tours sur 5. Ça va bien, ça va bien. On a de l'avance en masse. Yes, yes. Ah, bah, non. C'est cool. Hein? Dernier tour en course. C'est ton dernier tour. Excellent. Dernier tour. Un maudit mur là. Yes, sir. Superbe perf, tu as rempli tous les objectifs aujourd'hui. On a ce pilote du jour, lui, Christian. Ainsi que la course s'achève. Hey, j'ai encore gagné. Comment expliquez-vous ce triomphe, Davide? C'est la stratégie qui a fait la différence.
Bravo aux pilotes, bien évidemment. Mais des courses comme celle-ci montrent à quel point la Formule 1 est un sport d'équipe. Ils ont fait un travail énorme dans les stands pour sortir le maximum entre chaque arrêt et optimiser l'utilisation des pneus. Il faut reconnaître que tout ça n'aurait servi à rien sans un... Ben. Et voici qui s'avance vers le podium. Ben, enfin. MP Motorsport a réalisé. Ils sont normales, sont un peu en blackface. Nous sommes heureux de les voir s'imposer aujourd'hui. Hein? Yes, sir, c'est gagné. Une autre victoire. Tiens-toi. Niveau 10, niveau 11. Tiens-toi. Alors, David Valsecchi, quel pilote a réalisé la meilleure prestation aujourd'hui? Pour moi, c'est Christian Lundgaard. Il a été exceptionnel du début à la fin. Il peut être fier de cette course. Grâce à sa performance du week-end, Carlin gagne du terrain. Après oui, il tous finit ses rebondissements aujourd'hui, il serait vraiment dommage de rater la bon. Prochaine course. Alors, on continue. Oh! Négociation de contrat. Oh! E. William Racing, il est dans le bas. Comparaison des performances entre les véhicules. On va rester. Red Bull. Mercedes. Alfa Romeo. Coéquipier. Oh, on a un coéquipier. Charles Leclerc ou Carlos Sainz? On va choisir Charles Leclerc. Parce qu'un Leclerc, ça c'est sûrement parler français. Oh, on est rendu dans la saison de F1. Oh là là. Canada, circuit Gilles Villeneuve en 9e. Il y a 22 courses. Petite course. Dans 4e, on s'en va faire le Canada. Oh! Ouais, donc 10 courses. Ouais. Super! C'est tout pour le moment. Tu peux faire marche arrière et modifier tes choix si tu en as envie. Nous repasserons ici avant le début de chaque saison. Si tu es prêt à passer à la suite, appuie sur « Confirmer » pour te rendre au QG de l'écurie où ton histoire en Formule 1 va commencer. Oh, la Formule 1! Hey, j'ai hâte d'essayer ça. En participant à des week-ends de course pour gagner de la en popularité. Des privilèges du métier tabarnouche. Hey, merci Scorpion. Merci pour ton follow. Bienvenue. Accélérer le temps. J'ai des messages. J'ai de l'organisation. Ok. Ok. Oh! Upgrader la voiture, l'organisation. Ici, vous pouvez acheter des avantages pour être meilleur, sur et hors circuit. Tout ce que vous négociez au-delà de votre salaire de base vous permettra d'acheter des avantages. Oh. L'usure du moteur sera réduite. Le moteur. 230 000.
On y va pour le moteur. Tiens, toi. Il aurait 70 000. Le salaire de base, c'est quoi? 4 millions? Coûte cher, hein? Ok. Aperçu. Véhicule, organisation, classement. Bon. Fait qu'on y va. Hein, dans aperçu, j'ai message. Max, hey, tu savais qu'on avait de meilleures chances de développer une voiture rapide en améliorant vos infrastructures. Bon. Bienvenue dans l'équipe. Avec Charles et toi, la saison s'annonce sous la meilleure. Ouais. Parfait. Il est toujours là, le directeur de l'écurie. Bon, ben, on n'a pas ben après ça. L'aérodynamisme. Oh, ouais. 500. Des batteries de stockage d'énergie. Oh. Tête de cylindre. Standard. Risque d'échec. Oh. Ok, il y a un laps de temps. Il y a un risque d'échec. Allez, on le fait le développement. Ah, c'est bien ça. Un sentiment de progression dans le jeu. Boîte de vitesse, meilleur matériau. On va y aller du standard. Ah, c'est cool. Véhicule, ça aussi. Tabarnache, je peux en modifier des affaires. Cette opération n'entraîne aucune pénalité. Moteur. Boîte de vitesse. 18% de longévité. Ouais, donc, on va le mettre là-dedans. On peut pas. Bon. Bon. C'est parti. On a reçu les nouvelles pièces de l'usine. On va les intégrer à la monoplace en vue du prochain Grand Prix. Parfait, ça. Notre nouvelle F1. Ben toi, ça, c'est de la voiture. Ferrari. On a 70 000 $. Non! OK, on va aller au week-end. Essai libre. Oh là, c'est du sérieux, là. La F1, là.
Hey, bienvenue dans l'équipe. Content de te rencontrer finalement. Ici Max, le chef du département R&D. J'ai suivi ta carrière de près. Et je dois te l'avouer, je suis un grand fan. Je pense qu'on va faire du très bon travail ensemble. Ton poste de travail est là. Tu peux t'en servir pour consulter tes performances, les améliorations R&D et bien plus encore. Fais-moi signe si tu rencontres des problèmes. Pas de problème. Poste de travail. Durée de la séance court. Format des essais complet. 33 essais? On est obligé. Format de qualification, un tour, puis 5 tours de piste. C'est bon, ça. 3 essais libres. Aucun face-à-face, bon. On y va. C'est parti. Salut à tous, bienvenue dans le Paddock Pass édition d'avant-course, la manche inaugurale du championnat du monde 2022 de Formule 1. Et quel bonheur d'être de retour. Une vraie tradition. Il y a comme un air de premier jour de rentrée scolaire en arrivant ici. Mais c'est plus que ça, car il s'agit du début d'une nouvelle ère pour la Formule 1, avec toutes sortes de nouvelles régulations tant attendues concernant la conception des voitures pour des courses toujours plus spectaculaires. Des lignes fuselées, des ailerons avant et arrière profilés pour des duels encore plus serrés, des pneus 18 pouces compacts révolutionnaires. Le retour de l'effet de sol et la diminution des fioritures aérodynamiques. Les nouveaux monoplaces n'ont plus rien de comparable et bénéficient d'une sécurité accrue, repoussant davantage les frontières de l'ingéniosité technique. Alors, quelles écuries en auront le plus tiré parti? Et quels pilotes sauront adapter le plus rapidement leur conduite face à leurs concurrents? Seul le temps nous le dira. Comme toujours, nous attendons avec impatience le début de la saison. Mais pour le moment, ce sera tout. La Formule 1. Oh là là. On aurait pu, là. La première course de la saison est toujours difficile pour nous en bord de piste et pour les gars à l'usine aussi. C'est la première fois que la voiture tourne depuis les essais hivernaux. Plus tu parcourras de kilomètres lors de ces sessions, plus on sera détendu. Dans la piste. Sortie du stand. C'est le moment de faire c'est quelques parti, tours de on piste. On va essayer ça. Oh là 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 là. Dans de la formule, ça. Ça va être malade. Wow, wow, hein? La Formule 1, ça. Très bien, très bien.
en train de se mettre l'auto. On est en train de s'habituer avec. Comment négocier les virages. Bien. Parce qu'on voit que c'est beaucoup plus puissant. Pas plus attention. On aurait bien allé. Allez, on fait cette voiture-là. On va commencer à la pousser un petit peu plus. Ça va pas pire. J'ai plus de temps. Secondes. Si je conseille Nikba, si je conseille le volant pour le jeu, oui, mais il joue quand même très bien. Sérieux, je suis impressionné comment il joue bien là, sa manette pour ce soir. Mais c'est sûr que c'est un jeu que je recommande là, sur le volant. Ça, c'est sûr et certain. Comment qu'il fait en totalité, Zuka? Salut, salut. Je m'en souviens plus. Je pense que le téléchargement, c'était comme une histoire de 30 gigs. Je m'en souviens plus. Je suis vraiment désolé, mais... Là, je vérifierai, mais il en prend quand même... Il en prend quand même beaucoup. 30 gigas ou 40, je m'en souviens plus. Je pourrais pas te le dire. Il me semble que le téléchargement, c'était 36 gigas. Je m'en souviens plus. Bon, ça a l'air bien, ça. Ça va bien se faire. Retourner au garage. Moi, j'aime mieux faire les qualifs puis la course. Fait qu'on va aller dans session. Puis on va aller en avance rapide. Tiens. Comment qu'il fait? Ouais, il me semble qu'il fait à peu près, mais ça se peut qu'il... Je m'en souviens plus comment il prend de place. Désolé. 42. De 80 gigs. Ouais, c'est ça qu'ils disent, que ça peut aller jusqu'à 80 gigs, mais j'ai pas vérifié. Parfait, t'es en train de le télécharger, excellent. Non, à date, moi, honnêtement, là, je trippe. Je trippe, méchant bon jeu. Théoriquement, la sortie officielle, c'est demain. C'est demain, là, je suis en accès anticipé. Mais la sortie officielle, c'est demain. Quand même, même ceux-là qui n'ont pas un volant peut s'amuser avec ce jeu-là. Là. À date, là, je vais tester la Formule 1. Mais j'ai fait la Formule 2 puis je me suis amusé. Maintenant que toutes les voitures ont franchi la ligne d'arrivée, revoyons le classement de nos trois meilleurs pilotes. Et c'est Lib 2.
Ok, ils veulent qu'on passe les affaires d'entraînement. Et toi, on va y aller là-dessus. Abandonné. Ouais, parfait ça. On est tout de suite à la course. Mon premier F1, j'ai pas de volant, j'espère que... Ben, sérieux, il se fait très bien. La prise en main était peut-être un peu difficile les premières minutes, les premières courses. Juste le temps de t'habituer à la manette, mais après ça, je te dirais, même moi, je suis très surpris du fun à la manette. Encore un essai libre. Tiens-toi. Ouais, je gagne pas de points, c'est dommage. Que je voulais juste faire la course. Moi, je veux juste faire les courses. Je veux pas tourner en rond sans arrêt pour accumuler des points. C'est dommage, ça. J'ai réussi à me rassurer. Ben, à date, moi, comme je te dis, là, vraiment, à manette, j'ai été très surpris. Mais là, je vais essayer la F1. C'est peut-être une autre affaire. J'ai même augmenté la difficulté. Je m'attendais pas à ça. Mais je vais te dire que la piste de Monaco là, est quelque chose en tabarnache. Ouais, on essaye ça. Qualification, on y va. C'est parti. Mais l'impression de vitesse, là, incroyable. Incroyable. Quand il mouille pas, quand il fait jour, là... Hein, Ferrari. Okay. Moi, je lui montre comment servir de l'ordinateur. Hein. Je dis, on y va de même. Yes, c'est parti. Oh, je me suis fait dépasser par le premier. Bon, ça peut être normal. On me dépasse ici. Ah non! Allez, 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 allez. Ah non, 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 je recommence, désolé. Je vais juste recommencer pour être sûr, c'est la première avec la F1. Parti. Yes.
Excellent. Yes! C'est bon, c'est dans la poche. Et allez! Très beau tour, bien joué! Yes! First! Tabarnouche! Tout est prêt pour la course de demain, mais avant de commencer, regardons rapidement qui sont les premiers pilotes sur la grille. Le maître, ah, puis Leclerc, les deux Ferrari. Et voilà qui met fin aux qualifications. Mais yes, ne vous inquiétez pas, nous serons de retour dès demain pour vivre ce Grand Prix. Parfait, on est déjà rendu demain. Tiens, toi. On y va. La course 5 tours. On y va. C'est parti. Il est grand temps de laisser derrière nous des mois de rumeurs et de spéculations pour reprendre le chemin des circuits. Le lancement d'une nouvelle saison qui s'annonce forte en rebondissement est imminent. Voici yes. venue la première manche du championnat du monde de Formule 1. Alors bienvenue à tous. La Formule 1 revient aujourd'hui dans le désert sur ce circuit étonnant de 5,4 km. Les 15 virages offrent autant d'occasions de dépassement. Il pourrait s'agir d'une course stratégique. Sakhir étant réputé pour user les pneus arrière, les pilotes vont devoir... Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course. Nous y voilà enfin, le début de la saison 2021 du championnat du monde de Formule 1. Les compteurs sont remis à zéro, mais Mercedes voudra absolument conserver son titre une année supplémentaire. De son côté, Red Bull tentera d'asseoir son statut d'outsider. Quant à Ferrari, ils vont tout tenter pour revenir dans le match après leurs grosses difficultés rencontrées l'année dernière. Pour ce qui est du reste de la grille, on peut s'attendre une nouvelle fois à de très belles batailles, notamment entre les deux écuries ayant changé de nom cette saison. Racing Point devient Aston Martin et Renault se présente désormais sous les couleurs d'Alpine. Oh. Nous avons beaucoup de choses à aborder avec Nicolas Martin qui me rejoint dans la cabine de commentaires. Alors montez le volume et rendez-vous au premier virage. Je suis heureux d'être de retour et j'ai le sentiment que nous allons assister à une belle course aujourd'hui. Il est impossible de prédire le niveau de performance des écuries pour l'instant. Mais je n'espère qu'une chose, c'est qu'aucune des équipes ne pourra s'échapper et filer toute seule devant. C'est parti. Pole position, va chercher la victoire. Parti. Et là. Oh, je l'ai tenu. Yes. Excellent. Oh non, tu ne déposes pas ici, toi. Parfait. Correct.
Deuxième tour. Excellent. Avance, une bonne petite avance, merveilleux. Yes. Donc, oui. Magnifique. Beau travail, tu viens d'établir le meilleur tour de la course. C'est parti. C'est parti à fond. Wouhou. Ah, c'est incroyable. L'impression de vitesse, le feeling, je dirais qu'on le ressent. Ça roule. Quatrième de l'avant-dernier tour. Ça roule une F1, c'est incroyable. Incroyable. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Yes, sir.
Ça roule. Donc, oh, le sorti. Voilà. Fantastique. Tu as yes. Ben ouais. Mon premier Grand Prix d'F1. Comment ça, Charles Leclerc? Belle performance de la part de Ferrari qui remporte aujourd'hui une superbe victoire. Jean-Éric Vergne, selon vous, comment sont-ils parvenus à se distinguer aujourd'hui? Ben toi, c'est moi le meilleur. Victoire d'équipe. Ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il fallait, et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe. Ferrari est de retour aux affaires avec une superbe performance durant le Grand Prix aujourd'hui. Aucun doute, Ferrari est bien une équipe qui sait ce qu'elle vient chercher yes sur la piste. Hein? Et voilà encore le gaspillage de champagne. Yeah, bataille. Examinons le classement des pilotes. Le maître prend la tête du championnat des pilotes. Yes. Donc Jean-Éric Vergne, qui selon vous est le pilote du jour? Charles Leclerc a montré exactement comment il faut se comporter sur le circuit aujourd'hui. Il a été presque parfait, incroyable. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Ferrari s'empare de la tête du classement. Et bien encore un week-end ponctué par une course fantastique. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Rendez-vous sur le prochain circuit. Yes. Ah! Popularité du pilote. Capoté. En tout cas, une belle découverte. J'avais pas vraiment rentré dans le temps dans franchise F1. Je sais pas pourquoi, j'avais essayé, je dis pas que j'avais pas essayé, j'ai essayé. J'ai même essayé avec le volant, que j'avais trouvé ça très le fun aussi, très 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 réaliste. Mais j'ai vraiment aimé ce soir, franchement, le jeu. Une belle découverte. Attendez, hein. Non, avance plus! Non. Peux-tu revenir en arrière? Menu. Retourner au menu principal. Tiens, on va faire ça. Ouais. D'abord, on a gagné. On va continuer comme ça. On va continuer notre cédule. Puis... ça, c'est un accès anticipé. On n'a pas un patch Day One. On n'a peut-être même pas aussi la qualité graphique. J'ai pourtant fait une mise à jour d'une vidéo pour être sûr de la carte vidéo, pour être sûr d'avoir
la plus belle image possible. Quand même, sérieux, un excellent jeu. Hop. Tiens. Ça a été vraiment le fun. Une belle découverte. C'était, je dirais, un des jeux de Codemaster. Moi, j'aime bien Codemaster au point de vue Dirt. Dirt Rally, Dirt, toutes les Dirt qu'ils ont fait, même le premier, le 2, j'ai adoré. Codemaster, j'aime leur qualité de jeu. Il y a quelques jeux que ça a été des flops. F1, ça a toujours fait partie des jeux qui étaient au côté, mais que c'était un des jeux que j'avais pas embarqué en profondeur, puis je sais pas si ce soir j'ai le goût. Le contrôle à manette se fait très bien. Très, très bien. Il y a le monde qui hésite, qui disent j'ai pas de volant. Même il y en a qui me l'ont dit. Même Warkless me l'a dit. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer ce jeu-là, pas de volant. Non, ça se fait. C'est pas pour rien qu'il est sur console, qu'il est sur Xbox, PlayStation. Il est sur toutes les consoles, sur PC encore mieux. Ben, malgré que je voulais regarder sur PS5 aussi, voir c'est quoi, mais non, c'est toujours mieux sur PC. Mais que ça soit n'importe quel, là, honnêtement, mais ça joue bien à la manette. C'est, moi aussi, c'était. Puis après ça, la difficulté, il y a juste la prise en main au début qui est difficile, mais un coup, tu rentres, tu sens l'impression de vitesse, le temps de t'habituer. Après ça, tu rentres dans le jeu. Même dans F1, je pensais d'avoir vraiment des difficultés, puis non, ça se fait bien. Vraiment un jeu que je vais y retourner. Je veux faire le circuit de Montréal, ça c'est sûr. Je veux continuer, je veux aller voir un petit peu plus à profondeur avec l'upgrade de la voiture et tout, ça a l'air intéressant. Des pilotes, malheureusement, j'aime pas les essais libres qu'il faut faire des affaires pour s'upgrader. Ça, j'aime un petit peu moins ça, tu sais, ça semble, mais c'est vrai que ça fait partie de la F1, de faire les essais libres, les journées d'essais libres pour bien connaître la voiture et tout. Ils essayent de nous rentrer ça. Moi, j'aime un petit peu moins ça, mais c'est sûr, je suis un débutant dans F1, mais j'y retourne. Moi, je vais y retourner sûrement ce week-end. Ça, c'est sûr et certain, je refais un autre live dessus pour approfondir un petit peu plus le jeu. Quand même, on a fait un bon, quasiment pas loin de 4 heures de live. Puis, je m'attendais même pas à faire ça. Au début, j'ai manqué proche d'un cheveu de quitter. Je regarde F1. J'ai jamais été un joueur de F1 en tant que tel sur les jeux vidéo, mais là, non. La piqûre m'a rentré. Franchement, je suis content. Content d'avoir testé ce jeu-là aujourd'hui, de l'essayer, puis je vais revenir, c'est sûr et certain. Fait que non. Un GG. Un coup de cœur même, je te dirais, fait du bien, un jeu d'auto pour lequel s'amuser, qu'on tripe, qu'on voit pas le temps aller, c'est ça. Comme je dis, le monde qui a peur à la manette, ayez pas peur, allez-y, amusez-vous, essayez-le. C'est un jeu essayé, franchement, bien content. Fait que merci tout le monde d'avoir été là, et merci le monde sur YouTube. On se dit à la prochaine, on en reprend ça là-dessus. On va continuer un peu sur F1, c'est sûr, 2022, ben F1 22. Fait qu'on essaye ça. Fait que à la prochaine. Salut le monde sur YouTube. Bye.